L'ensemble du gouvernement égyptien démissionne. La décision a été annoncée après la visite du Premier ministre Ibrahim Halab à la présidence ce samedi. Des rumeurs couraient sur la démission du gouvernement depuis le limogeage et l'arrestation dans la foulée ce lundi du ministre de l'Agriculture Salah Helal. Il est soupçonné avec son chef de cabinet d'avoir reçu des pots de vin d'un homme d'affaires en échange de la légalisation de terrains appartenant à l'État. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a confié ce samedi à Sherif Ismail, le ministre du pétrole, la mission de former un nouveau gouvernement. Le premier ministre sortant, Ibrahim Malab, un cacique du parti de l'ancien raïs Hosni Moubarak, avait été nommé à la tête du gouvernement au début de l'année 2014.